m'appelle Melinda, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto roue, comme vous me l'avez souvent demandé dans les commentaires. Et c'est parti! Donc la première étape, c'est de bien mettre tout son poids sur la jambe de devant. On met bien tout son poids et on garde les bras collés aux oreilles. Et on va essayer de pousser sur la jambe du bas pour faire planche. Hop, donc on met tout le poids sur la jambe devant, hop, et on pousse pour faire planche. Hop, tout le poids, on garde bien les bras collés aux oreilles et on pousse pour faire planche. Maintenant, on va essayer de mettre une main par terre. Hop, on pousse et on met une main. Le plus compliqué, c'est de bien se lancer. Donc on va bien pousser, hop, et mettre une main. On revient, on pousse, une main. Maintenant, on va essayer de rajouter la deuxième main. Hop, et décoller la jambe. Hop, première main, deuxième main, et on décolle. Première main, deuxième main, et on décolle. Maintenant, on va essayer de passer la première jambe de l'autre côté. Hop. Et il faut bien garder les jambes droites. Les mains collées aux oreilles. On pousse les jambes droites et on dépose un pied. Hop, planche, une main, deux mains et on dépose un pied. On se prépare, tout le poids sur la jambe devant. Planche, une main, deux mains et un pied. Maintenant, on va essayer de se relever. Hop, on se relève et on fait la pose du début. Tout le poids, bien garder les mains sur les oreilles. Hop. Et on finit. Il est très important de bien écarter les jambes et de garder le dos bien droit. Hop, on écarte le plus possible et on revient. On commence, on met tout le poids sur la jambe devant. On écarte et on revient. N'oubliez pas de ne pas mettre les jambes vers l'avant, bien en haut. Hop, en haut, on écarte. Et on revient. Pour celles qui savent déjà faire la roue, on va essayer de la faire à une main. Vous pouvez d'abord la mettre par terre et hop, et après essayer de l'enlever. On la met par terre, hop, et on enlève. Donc là, on va la mettre vraiment un tout petit peu haut. Hop, un tout petit peu. Hop. Maintenant, on va essayer de la décoller complètement. Voilà, on touche plus le sol. Préparation. Hop. Maintenant, on va un peu plus décoller la main du sol. Hop, on va plier le bras. On plie un peu le bras. Et maintenant, on va essayer de la mettre complètement sur le côté. Hop. Devant la main. Et maintenant, on va essayer de la mettre derrière le dos. Donc, vous pouvez déjà commencer avec la main derrière le dos. Et on revient. On fait la même chose que ça, avec juste un bras qui est collé aux oreilles et l'autre collé derrière le dos. Dernière fois. Donc voilà, normalement, je devrais vous montrer la roue sans les mains, mais je ne sais toujours pas la faire. Si vous, vous savez la faire, mettez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la petite cloche et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous!